C'est là où ils distillent le sang de la terre. La boîte de la madame, elle m'a tout retourné. Je suis homme. Oui. Ah ouais, à ce point-là? Ah ouais, c'était joli, hein. Genre, ça t'a fait penser à des dragons? Non. Mon petit dragon entre mes jambes. Ouais, je vois de quoi tu veux parler. Et genre, ça l'a réveillé et tout? Ouais, il commence à cracher du feu, hein. Bah, si tu veux, un jour, on ira la voir et... Et on lui offrira des... Des tomates. Ah oui. Comme ça, je pourrais encore l'entendre parler. Bah ouais, puis faudrait peut-être essayer de faire le premier pas, je sais pas, essayer de l'inviter à avoir un coucher de soleil au village. Ah non, pourquoi, mais pourquoi faire? Bah je sais pas, je... Faire un truc avec le dragon, quoi. Ah oui. Ouais, c'est les choses de la vie, quoi. Tu vois, genre... Je vous rejoindrai si vous voulez. Jean, il a trouvé un enfant. Cet enfant, il a été créé par deux personnes qui s'aimaient. Ah oui. Oui, mais comment tu sais si t'aimes la personne? Ah bah ça, après, ça, normalement, c'est à l'intérieur de toi que tu le sens. Et je pense que là, t'es sur la bonne piste si ça a réveillé ton dragon. Ah oui, parce que mon dragon, il se réveille pas souvent, hein. C'est vrai? Ah oui. La dernière fois qu'il s'est réveillé, c'est quand t'as mangé un chien, non? Ah non, quand même pas. Mais peut-être que là, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas mangé, peut-être que si j'en mange un, oui, c'est possible. J'ai entendu. Chen. Qu'est-ce qu'il dit? De quoi? Chen. Ah non. Oui. Mets ta charrette comme la mienne, l'embarrage derrière le camion. Derrière le... Ah, là-bas. Ouais, en face.